Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Bonjour l'Égypte en ce jeudi le 3 août 2023. Sans plus tarder, commençons notre tournée dans l'actualité avec cette nouvelle qui concerne le président Abdel Fattah el-Sissi qui a passé en revue les efforts de l'État visant à renforcer les métiers traditionnels et les produits artisanaux au niveau de la République. Ceci est intervenu lors de la réunion avec la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kobej. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni hier avec la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kobej, pour passer en revue les efforts de l'État visant à renforcer les métiers traditionnels et les produits artisanaux au niveau de la République. Le chef de l'État a enjoint de poursuivre toutes les démarches susceptibles d'apporter le soutien et l'appui nécessaires aux artisans afin de sauvegarder les métiers patrimoniaux et prévenir leur extinction, voire les développer dans le cadre de la stratégie de l'État soutenant les petits entrepreneurs, des PME et des macro-projets ayant un rôle efficace dans la croissance sociale et économique. Il s'agit également de permettre à ces métiers patrimoniaux de protéger l'identité nationale et de réaliser la richesse culturelle et historique de l'Égypte. Le président el-Sissi a enfin instruit d'appliquer les plus hauts critères de qualité au niveau des métiers artisanaux, tout en assurant le facteur de l'innovation et celui du mélange entre l'authenticité et le caractère contemporain des produits. Le président a mis l'accent sur l'importance de renforcer le développement humain durable. La réunion a également porté sur l'examen de l'expérience des femmes pionnières dans la société, dans les domaines du renforcement de la sensibilisation de la femme et de la famille, via les efforts civils de développement menés par ces femmes pionnières, de sorte à résoudre les problèmes communautaires courants et de cristalliser les meilleures solutions. Allez, retour à notre actualité avec cette fois-ci une nouvelle concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouly, qui a déclaré que l'Égypte avait pris des mesures importantes pour occuper une place compétitive dans le secteur de l'hydrogène vert à la lumière de la volonté politique de transition vers l'économie verte conformément à la vision de l'Égypte de 2030. Lors de sa présidence de la 4e édition de la table ronde sur l'industrie de l'hydrogène en Égypte tenue dans la nouvelle ville de l'Alamein, le Premier ministre a évoqué la fin de la deuxième modernisation du plan des contributions déterminées au niveau national à travers lequel l'Égypte veut augmenter à 42% d'ici 2030 au lieu de 2035 le taux de contribution de l'énergie renouvelable au mix énergétique. Le chef du gouvernement a dit que l'Égypte jouissait de grands potentiels dans le domaine de production de l'énergie renouvelable à des prix compétitifs. Et le Premier ministre, toujours Dr Moustapha Madbouly, a affirmé lors de la réunion du Conseil des ministres de la Nouvelle Alamein l'importance de la participation du président Abdel Fattah el-Sissi au deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie. Madbouly a rappelé les messages importants du discours du président lors du sommet et qui comprenaient les axes de la vision de l'Égypte pour approfondir la coopération actuelle dans le cadre du partenariat stratégique entre la Russie et les pays du continent africain. Le chef du gouvernement a aussi passé en revue la rencontre entre le président el-Sissi et le président palestinien Mahmoud Abbas en marge de l'accueil par l'Égypte de la réunion des factions palestiniennes récemment tenue à Al-Alamein. Et le gouvernement avait annoncé la semaine dernière un certain nombre de décisions et de mesures pour faire face à la consommation record d'électricité causée par la canicule. Télétravail une fois par semaine à partir du 6 août pendant un mois pour la majorité des employés du secteur public et coupures d'électricité planifiées. Telles sont les principales annonces du gouvernement face au problème de la consommation accrue d'énergie en ces temps de canicule. Confusion de sujet, celui que vous voyez sur l'écran, il s'agit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a déclaré que plus de 279 000 personnes ont fui la violence au Soudan vers l'Égypte. Le 18 juillet, l'Organisation internationale pour les migrations avait annoncé que plus de 3,3 millions de personnes avaient été déplacées à la suite des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide.
L'organisation internationale a indiqué dans un rapport que l'estimation totale des personnes déplacées à l'intérieur du Soudan est de 2 613 000 personnes, en plus du déplacement interne à travers les frontières de plus de 757 000 personnes vers les pays voisins, à savoir l'Égypte, la Libye, le Tchad, l'Afrique centrale, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Concernant la nouvelle donc, que je vous lisais il y a quelques instants sur la planification des coupures d'électricité et les mesures qui ont été prises à ce sujet, je vous propose tout de suite de voir le sujet qui est prêt. Le Premier ministre Moustapha Madbouly a annoncé une série de mesures pour faire face à la consommation d'énergie croissante provoquée par la vague de chaleur intense qui sévit dans le pays, et ce afin de soulager les réseaux électriques. Nous consommons aux heures de pointe plus de 129 millions de mètres cubes d'essence et de diesel par jour. Depuis le début de la canicule qui a commencé le 17 juillet, la consommation a grimpé à près de 36 gigawatts par jour, nécessitant l'achat de 144 à 146 millions de mètres cubes de gaz et de diesel par jour, a expliqué Madbouly. Parmi les autres décisions figure l'importation de 250 à 300 millions de dollars de diesel dans le cadre des efforts urgents pour renforcer l'approvisionnement en carburant des centrales électriques. Le ministère de la Jeunesse et du Sport a pour sa part été appelé à programmer tous les matchs avant le coucher du soleil afin de réduire la consommation d'électricité. Le chef du gouvernement a également affirmé qu'un calendrier des horaires de coupure d'électricité dans chaque quartier serait annoncé, que l'éclairage des espaces publics serait réduit à 75% pendant l'été. Cependant, les zones touristiques, considérées comme une source de revenus nationale pour l'État, seront exclues de ces décisions. Les récentes coupures de courant sont causées par une consommation accrue déclenchée par la vague de chaleur intense que le pays a connue. Au début de la semaine dernière, le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables a confirmé que la consommation nationale d'électricité avait atteint des niveaux records. Les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius dans la majeure partie du pays, grimpant à plus de 45 degrés dans le sud profond. Si la crise se prolonge jusqu'à la première ou la deuxième semaine de septembre, le gouvernement continuera d'alléger les charges et maintiendra toutes les mesures urgentes, a affirmé le Premier ministre, qui tient à souligner que sans les projets d'électricité mis en place par l'État, l'électricité aurait fonctionné seulement 3 heures par jour et n'aurait pas été coupée pendant 3 heures seulement par jour, a-t-il souligné. A rappeler que depuis 2014, des travaux de restructuration complète du secteur de l'électricité ont été entrepris et le gouvernement a pu établir plus de 48 projets de production d'électricité à partir de sources traditionnelles avec un coût d'investissement supérieur à 275 milliards de dollars, notamment 3 centrales géantes avec des sociétés allemandes. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté à la mise en œuvre de la phase principale du projet des centres de commandement tactique de la 3e armée de campagne qui s'inscrit dans le cadre du plan annuel de formation. Alors, le chef d'état-major, le général d'armée Osama Askar, les chefs des principales branches et un certain nombre de commandants des forces armées étaient présents. La phase principale a commencé par la présentation d'un résumé de l'idée tactique et les décisions prises par les dirigeants lors de la gestion du projet. Le général Mohamed Zaki a discuté des méthodes utilisées pour accomplir leur formation en fonction de leurs différentes spécialisations. Le ministre de la Défense a loué le haut niveau de tous les éléments exécutant le projet, ce qui reflète leur préparation au combat, leur bonne formation et leur professionnalisme dans l'exécution des tâches. Le général Zaki a également rencontré un certain nombre de combattants de la 3e armée de campagne et leur a transmis les salutations et l'appréciation du président de la République, Abdel Fattah el-Sissi.
Et les investissements étrangers en Égypte ont augmenté de 70% au cours des deux dernières années pour atteindre 7 milliards de dollars. C'est une déclaration faite par le président exécutif de l'autorité générale de l'investissement et des zones franches, Hossam Heba, lors de la 4e édition de la conférence des Égyptiens de l'étranger qui a démarré cette semaine avec la participation d'environ 1000 expatriés égyptiens. Le climat d'investissement compte principalement sur la confiance entre l'investisseur et le pays dans lequel il souhaite investir. C'est sur quoi le gouvernement actuel cherche à travailler avec des réunions périodiques en présence du Premier ministre pour discuter des plans qui sont préparés pour attirer les investissements selon la même source. Les lois égyptiennes concernant l'investissement ne font pas de distinction entre les investisseurs étrangers et égyptiens, a-t-il indiqué, notant que les opportunités d'investissement sont disponibles pour tous. Et on termine avec cette nouvelle concernant la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, qui a demandé d'élaborer un plan médiatique pour diffuser la technologie du biocarburant, améliorer la prise de conscience à son égard et intégrer les activités de l'institution de la bioénergie pour le développement durable à l'initiative présidentielle Vie décente. La ministre a tenu ses propos lors de la première réunion du Conseil des secrétaires de l'institution de la bioénergie pour le développement, et cela en présence de ses responsables et de représentants d'autres autorités telles que celle du contrôle administratif et l'organisation ARA pour l'industrialisation. La ministre a remercié l'institution pour les efforts déployés et les progrès réalisés pour le dossier du biocarburant devenu vital à l'ombre de la crise énergétique actuelle, de même qu'elle a salué sa participation à l'initiative Vie décente. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Naïté International. Au revoir.